la ferme de Ouimbé. C'est le village, hein, c'est le nom, c'est Ouimbé, dans le département de la Meuse, et un petit village de 120 habitants maintenant, en plein cœur de Meuse, le plus centre possible. Sa surface, c'est 4 hectares, 4 hectares, tout compris avec le parking. Donc il y a deux bâtiments dessus, le bâtiment de la ferme où on y trouve les animaux, et puis la grange aux expériences qui est toute nouvelle, qui vient d'ouvrir cette année, où là on y trouve de quoi faire toutes sortes d'activités. Il y a aussi donc le verger dans lequel on peut pique-niquer et où on trouvera des activités, des jeux de piste. Et puis le dernier site, c'est le petit bois, où là on y découvre les empreintes d'animaux et toutes les traces laissées par les animaux de la forêt. Il y a deux formules. Soit vous choisissez simplement de rencontrer les animaux, et là tout se passe dans la ferme. Dans la ferme, ça veut dire que les enfants sont mis au boulot tout de suite en arrivant. Ils peuvent déjà rencontrer les poussins, les lapereaux, les chevreaux. Il y a toujours des naissances pour qu'il y ait toujours les petits avec leurs parents, avec leur mère. Et puis ensuite, ils peuvent nettoyer les litières, donner à manger, donner à boire, brosser les poneys, les promener dans le verger comme là en ce moment, ou encore transporter des animaux dans les charrettes. Voilà, il y a tout le contact avec les animaux, nourrir, donner à boire, etc. Il y a même des biberons à donner aux agneaux jusqu'à une certaine époque de l'année, quand les agneaux sont encore assez petits. Et puis la deuxième formule, c'est avec la besace. Et là, dans la besace, les enfants retrouvent tout ce qu'il faut pour faire une corde avec